Et on a tué le perso qui ressemble à Qatar. D'ailleurs, faut que je rebranche mon truc pour ma manette. Donc, c'est l'hippopotame doré. Et je sais plus où on en est parce que l'hippopotame doré, on est dans le château là. Je sais plus où on en est là, en vrai. C'est le jeu en même temps. Il faut que je recours ma manette. C'est le jeu avec les ninjas. Je sais pas de quoi tu parles, mais. Après, il y a un peu des ninjas dans Elden Ring. Je live voilà, avec ma manette. Je peux brancher, rebrancher. Je crois que ça va venir. Ok, c'est good. Juste tant que ça vienne. On est où? On en est là, donc c'est le DLC, on a fait un peu tout le nord-ouest, ça j'ai pas fait ici d'ailleurs. Il me manque ça que j'ai pas fait non plus. Et là je suis où exactement? Je crois que j'ai pris un cercueil pour me déplacer. Et j'ai pop là. Les ruines d'une T. Mais je les ai pas faites? Ah oui, c'est vrai que j'étais en mode. Ça, on dirait une zone de boss, j'ai avancé un peu, il n'y a pas eu de boss. Du coup, on avait fait demi-tour, on s'est arrêté là. Et j'avais pas explosé cette zone. Et à moins qu'il y ait un boss dans le coin. Je pense peut-être un boss dans le coin, mais en tout cas pas tout de suite. Voir, c'est très sombre. Hein. La lanterne. Très très sombre comme ambiance. On doit voir un truc dans le coin, je pense. Lui, c'est plutôt intérieur. C'est bien bord probable. Personne malfaisante droit devant. Et je le tue? Ok. Ah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Les chialets dans son coin. Ah, je peux rentrer entre. Non, je peux pas. Non, ok. Je peux rentrer entre ses jambes. Il doit y avoir un truc dans le coin, il n'y a rien dans ces runes. Ça me semblerait bizarre qu'il n'y ait rien, je peux vous mentir. Rien ici. J'aime trop buter les PNJ, mais ce n'est pas un PNJ. Ce n'est pas un PNJ. Ok. J'ai la flemme de me fumer un mec brasier encore. Il m'a fait un grand flamme de baiser par contre. Et j'ai rien à faire là? Techniquement, je suis derrière le mur. Hein. Techniquement, je suis derrière le mur. Hein. Avec mes runes. C'est bizarre, je rate un truc ici ou? Ce serait un truc pour une quête, je l'ai tué maintenant, mais peut-être qu'il faut pas après. Enfin, qu'il faut pas après, peut-être c'était un truc. TSO? Non, bon, on peut pas monter là, je me contrôle. Ah, j'ai la flemme de retuer un mob comme ça, c'est chiant en fait. Le problème c'est que s'il me fait des gros trucs de feu, il va moins de tap. Je le skip en hein, big flame. Hein. Je vais voir ce qu'il y a un peu plus loin, il y a une grâce ici. Un truc de quête après hein. Bizarre cette histoire.
Vas-y, on va continuer d'explo. J'avoue que je suis... Oh putain, le trou. J'ai même surpris que... Je sais pas, ce sera une quête plus tard, c'est un truc que j'ai mis, je sais pas trop. J'avoue que je n'ai rien vu. J'ai tapé au moment du jump, salopard. Il y avait un mob, je me disais, je peux la plus de dégâts le coup. Ok. Bizarre cet endroit là. Dans une ambiance étrange le chat. Une grâce. Oh, tranquille. Je vais me poser à la grâce en fait. Je peux pas à cause des mobs, c'est nouveau ça. Et c'est bon On peut péter les couilles. Mais arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que cette merde? 6 mobs de volants de merde qui me tournent autour, c'est bon. Alors moi je voulais me poser à la grâce, je vais respawn juste à côté, c'est déjà ça. Juste là. Ok, je vais aller au-dessus. Cet endroit est très étrange. Hein. Je peux aller au niveau, un peu au niveau du cimetière par là, non? Je venais de là-bas. J'ai l'impression que je peux descendre. Ouais, je peux accéder par ici. Un truc là. Oh, des oiseaux bizarres que je vais éclairer pour pas me retrouver dans le même setup que tout à l'heure. Ok. Excrément. Il y a peut-être un tableau dans le coin. J'avais un tableau, mais c'est pas un tableau que j'ai ici. Après, je peux descendre. Ouais, par là, j'ai eu un. Oh, saut de mortefeuille. Ah, j'entends un scarabée. Non, j'ai rêvé. J'aime pas l'ambiance. J'aime pas du tout l'ambiance de ces zones. C'est quoi ça? Ok, bon, tout ça pour ça. Après, c'est pas trop mal non plus. Je crois que ça augmente ma puissance, ces trucs. On va descendre, hein, du coup, hein. Je monte un peu mes HP aussi. Je sais pas, j'ai une ambiance bizarre. J'ai l'impression qu'à tout moment il y a genre un dragon qui va me tomber dessus ou un mob qui va sauter. Qui, je sais pas, qui a un boss. C'est la musique en fait. J'ai une musique un peu en mode sous pression. Je peux descendre direct de la. Pas quasiment.
item ici. Ah, il y a un chemin. Non, il n'y a pas de chemin. Bon, je vais taper quand même, on sait jamais. Y'a rien, ok. On est où sur la map? Je peux pas, je suis en fight. C'est un cul-de-sac. J'ai l'impression que je suis un peu en train de me perdre. Enfin, je me perds pas parce que j'explore des trucs, mais j'ai quand même un peu l'impression de me perdre de... par rapport à là où j'allais de base. C'est-à-dire, je sais pas non plus où j'allais de base. En soi, j'ai pas de... de destination, théoriquement, je peux pas me perdre. Ah, carabée, ouais. Petite pierre froide de forge sombre. Ah! Voilà, là, il y a un truc. Enfin. Mausolée oriental sans nom. Un boss. Est-ce qu'on arrive dans un traquenard ou pas? Akasa? Ok, il a l'air chaud. Je mets pas de dégâts, mais... ça joue, hein. J'ai plus d'attaque speed que lui, donc... Et non, il n'y a plus rien à boire. Ça va vous t'as le... J'aime bien les mécaniques du boss. Putain. On va faire le beau. T'es mort qu'à ça. Le combat a été stylé. Ah c'est tout, j'allais dire attends, on va quand même avoir des trucs. Ok, j'ai son full stuff. D'ailleurs, j'avais récupéré un autre... un katana. Oh, le visuel du katana est stylé, par contre. À moins qu'il se fasse partie des... pas de quelque chose d'incroyable en vue. C'est tout, je viens ici, juste je le tue et... putain, les gens, ils sont morts tant que ça, contre ce boss, là. Des taches de sang partout. Résilience soi, penchant droit devant. Personne pathétique droit devant, il a bien raison. Ok, en vrai je pense que je vais prendre une grâce. Hein. Parce que là on est d'accord que je ne peux pas descendre par ici. Tiens, un petit chemin par là, peut-être que... y'a rien. Attention, monstruosité, chercher derrière. Ah c'est ça là ? Il y a un dogo en dessous. Il y en a un autre là-bas. On est où là? On est là. Je devrais pouvoir descendre ici. Oh, si je jump, je crève. Terminado, vas-y, je vais TP, hein, je pense. Je sais pas comment je vais, je sais pas comment je vais en bas, par contre. Tac, 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 tac. Je vais peut-être aller voir ça vite fait. Si j'ai vu ça, non? Non, j'ai peut-être pas vu ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. On était où? On a fait le château. On a fait le château nord? Parce que ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Les entrées principales. Il y a des gars de chute dans l'eau. Ouais, ouais. En fait, l'eau
En fait, dans la vraie eau du jeu, tu te tues en fait. En gros, ton perso ne sait pas nager, donc si tu vas vraiment dans l'eau, tu meurs. Et sinon, c'est. Attends, j'en profite pour me level up un peu. Et sinon, c'est juste. Bah, l'eau. En fait, t'as pied. Donc, en fait, si t'as pas pied, tu meurs. Et si t'as pied, tu meurs pas. Si t'as pied, bah, en fait, tu as dû pas les dégâts de chute. Ah, ça suffit, non, 22k. Il en faut encore un tout petit peu. C'est où? C'est nickel. Partie du principe que tout te tue dans Elden Ring. En vrai, oui, hein. C'est un peu ça. Ok. Mais j'avais pas explo plus là, j'avais tué. J'avais fini le château. Ah, c'est là où j'avais tué le Qatar. J'étais allé où après? J'étais parti pour explorer un truc. Combien de try pour l'hippopotame? Je fais 8, je crois. Ah non, je m'étais mort 15 fois ici, je m'en rappelle. Oh, je me rappelle, j'étais mort 15 fois. Attends, mais 2 secondes, c'est. Les gars, petit backseat, là, vite fait, ceux qui ont suivi mon aventure. On l'a terminé ce château ou pas? Que j'y retourne pas pour rien. Merci, Happy Ending. J'ai pas l'impression de l'avoir fini, mais en même temps, je me rappelle d'être mort à de nombreuses reprises ici. Allô? Je l'ai pas eu tout terminé, on est d'accord. Je me rappelle avoir fait ça, je me rappelle avoir. J'ai tout clair parce que. Ça a fait tomber sa mère. T'as pris le tombeau pour descendre, mais je crois pas que je vais terminer. Ouais, je me rappelle que j'ai pris le tombeau. Là, y'a un mec juste à gauche. Oh non, c'est une sensation de déjà vu là. En vrai de vrai, est-ce que j'aurais pas plus d'intérêt du coup à prendre le truc, le point d'eau et de revenir en arrière? Ça je m'en rappelle. Après le point d'eau, je crois que c'est post-tombeau en fait. Ça ici, je crois que c'est post-tombeau, donc je peux pas revenir je crois. Ah, je vais tracer. Hein. Je vais tracer. J'ai la flemme en fait de reclear tous les mobs, donc je vais faire comme j'étais mort genre 6 fois je crois ici. Parce que j'avais essayé de tracer à chaque fois j'étais mort. Mais là je sais pas pourquoi cette fois-ci je le sens bien. Aïe. Hop à gauche, chercher ici. Ok, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ces mobs de merde. Aïe. Et là, je crois que j'étais allé tout droit et que j'avais pris un truc. Donc là, je vais aller par là. Ouais, voilà. Ah, peut-être j'étais descendu. Attends, j'ai encore des mobs au cul ou pas? Faire ces merdes. Je crois que. Attends, je l'ai pas vu. Je crois que là, j'étais descendu. Et c'est en bas que j'avais pris le truc. Je vais quand même check pour être sûr à 100%. Bah non, j'ai pas pris les thèmes là. Je vois pas les mobs. Il y a une porte ici. Sac de cul. Ok, c'est la porte qui m'emmène ici qui était la porte fermée. Je crois. Juste au niveau de la grâce. C'est ça, là c'est l'endroit où j'ai tué le truc. Ouais, exactement. Ok. Nickel. Ça c'est fait. Du coup, c'est-à-dire que j'avais fait à droite théoriquement. Je me rappelle pas être allé en face. J'ai fait à droite. Ouais, j'ai loot ici.
ils sont relous quand même. Et j'ai dû descendre. J'avais pas une échelle ou un truc. Ah non, j'avais du keep alors parce que j'ai. Ah si, j'étais là. Ouais, voilà, ok. T'es descendu à cette échelle ici, je me rappelle maintenant. Descendu à cette échelle là, ça m'a ramené là-bas où j'ai pris le tombeau et tout, blablabla. Et j'étais arrivé à un endroit après le tombeau où j'ai pas trop capté ce qu'il fallait faire, mais j'y retournerai tranquille. Ok. C'est un mec. Ok. Un, il looterait un. Un peu le garde du pont là. Est-ce que c'est autant qu'on va bientôt arriver au boss ou pas? Ok, rien en dessous de l'ascenseur. Château, si je explique le chemin que j'ai pris, je l'ai fait au hasard. Bah, celui-là, ça va, non? Bah, en tout cas, pour le moment, là où je suis, ça va. Y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de. Autre truc, alors que c'est le celui de Renala, je trouve c'est un bordel. Après, peut-être qu'après ça va plus être la merde. Hein. Encore ton bateau de Gaumont, t'as pas voulu te changer de build un peu? J'ai pas trouvé d'arme qui me plaisait. Avec Shark, j'ai fait un. J'ai joué Katana. Oula! Qu'est-ce qu'ils me font là? En arc unique. Avec Shark, j'ai fait une run katana et j'ai aussi fait une run genre Dex Magie, mais. En fait, j'ai pas été trop fan. Ah oui, ok, ça commence à être un peu le bordel. On va prendre l'item quand même en dessous. Aïe. Il y a un truc derrière là. Ça s'ouvre de l'autre côté plutôt. Vas-y, on va revenir, on va pas commencer à se perdre dans tous les sens. On commence par là. C'est là d'où je viens ça, non? Attendez, hein. Je pense pas là d'où on vient, ok. J'ai eu un doute. Ok, je vois, bon, château, j'avoue que ça a l'air d'être un peu la merde. Oh, un pot! En vrai, teste d'autres armes lourdes, sinon il y a tellement de trucs à faire pour rester sur un marteau de pierre. Bah, moi j'aime bien mon marteau. Ah, je joue un peu comme j'ai envie de jouer. Hein. Le marteau, je l'aime bien. Oh putain! Ah, c'est dégueulasse! C'est dans. Mais ça existait pas ça avant, c'est genre dans les. C'est un homme tonneau qui s'est explosé là où j'ai rêvé? Ah non, c'est ces mobs là bizarres là-bas là. Oh lol. Est-ce que j'ai envie de sauter tout de suite? Je sais pas trop où ça m'emmène. Je vais finir d'explo par là juste. Ça descend. Ah, oh, c'est truc dégueulasse. Ça, il est pas mort. Je crois que c'était son explosion. Ouais, je suis HPI. Hop. La merde après. Là je descends, j'imagine que j'arrive au même endroit que je voyais, enfin l'endroit que je voyais juste d'au-dessus. Ah si c'est ça, c'est des hommes. Alors peut-être ils se cachent dans les. Les mecs d'Alexander, je sais pas. C'est horrible. C'était des armes DLC, ça rentre aux os, ça permet de profiter à fond de DLC. Ouais, j'ai pas eu de nouvelle arme moi j'ai l'impression pour l'instant.
Enfin, j'ai eu un katana, tu vois, mais un katana c'est pas une nouvelle arme pour moi. J'ai eu un autre truc de magie, mais j'ai pas eu d'arme que je pouvais encore équiper en mode force. L'ambiance est étrange ici. C'est quoi ça? C'est qui fait ça, c'est toi? Et c'est horrible! J'aime de mourir. Hein. T'as eu un nouveau marteau au début de DLC? Ouais, je crois que j'en ai eu un, mais c'était pas un marteau full force, je crois que c'était de l'intel aussi. Attends, pardon, j'ai eu quoi là? Iris de grâce. Appliquer sur l'œil d'un autre pour lui trouver la lumière de la grâce comme une bénédiction fugace. Ça devrait servir pour une quête, j'imagine. En peau fissurée. C'est une ambiance, ma foi. Ah, j'en étais sûr qu'ils allaient me la mettre à l'envers là. Ah, mais c'est dégueulasse, il m'envoie sa bite dessus. Oh. Ok, ça descend ici aussi. Ça, je préférais quand on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur des pots, hein, je vous le dis. Hein. Une grâce. $50k, vas-y. En fait, je me dis, c'est un boss ou pas? On a pas le droit, donc cherchez droite. Ah, la porte, je peux pas rentrer? Ah, mais je trouve. on dit très vite. Bah, très utile d'avoir une grande porte avec une petite porte à côté. Je vais mettre mon cheval, ouais. Et là, on va où? Parce que j'ai l'impression que je fais la suite. Ah, je sais pas. Vas-y, on avance. Mais quoi? J'ai voulu déloc la cam, ça c'est pas déloc, mon perso a foncé dans le vide. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. On est loin là en plus, non? Ah non, c'est bon, on est juste ici, ça va. C'est qu'il y avait une grâce juste là. C'est bon, il s'est rien passé. Et en fait, c'est parce que j'avais raté l'item ici là. J'avais raté l'item juste là. Hop, la pierre de forge. Je voulais être sûr qu'on pouvait pas aller en bas aussi. Flemme de clear tous les PVE. Juste on prend les items et on se bat contre les mobs nouveaux. Hop, les un kill. Attends, c'est quoi ça? C'est toi là-bas là? Aïe, il fait chaud. C'est quoi ces mobs? Ça met un peu l'ambiance pour le boss de la zone là, c'est ça le plan? Ils ont du flow hein. Je
J'ai pas de stam. J'ai l'impression quand même que j'avance vers le boss et j'avoue que j'aurais bien aimé terminer l'endroit avant de le faire, mais... Ça verra bien. Dans la direction que je prends, ça me met direct là-bas. C'est fine. On met des messages tout d'abord. Serpent, essayez derrière. Backseat, frère. Attends, il dit quoi? Faites demi-tour? D'abord, faites demi-tour et donc cherchez serpent. Ok, moi je me fais backseat, mais. Ah, c'est ça le problème, c'est que tu vois les messages, t'as trop envie de les lire, mais en même temps ça te backseat. Cherchez serpent, il m'a dit. Serpent en vue. Merci beaucoup Starlight. C'est quoi la corde là? Bon, du coup on va pas faire demi-tour. Hein. C'est quoi? C'est parce que ça me bloque un truc ou ça va? Sac de cul. Ascenseur, pourquoi? Je vois juste ce qu'ils me disent. Vision de serpent. C'est les cordes. Qu'est-ce qu'ils ont avec leurs cordes de merde? J'ai l'impression qu'il y avait rien en dessous. Théoriquement, ça va m'emmener au boss là. Il y a une grâce. On pose vite fait. Attends, quoique, ça va être assez open. Après, ça peut être un. Un dragon, mais je pense que c'est pas le boss du château. De toute façon, si on sort du château, c'est pas le boss. Mais l'antique d'euro. Oh, j'aime bien l'ambiance. On est où là? Ok. On a encore des trucs à faire dans le château. C'était une grâce ici? Pas sorti, ouais, c'était une grâce. Vas-y, on va t'amener le château quand même avant d'aller explorer ici. Entrepôt, rez-de-chaussée. On va aller là. Je crois que j'avais tout fait en bas. C'est peut-être ça qu'il faut que j'aille chercher serpent. C'est pour ça qu'ils étaient en mode c'est... Serpent, c'est genre le boss final. Donc ça j'ai fait. Et ça j'ai fait. Quand je dis le boss final, c'est le boss du château. Ok. Quand tu fais de l'explo, il faut juste être un petit peu organisé. Aïe. Parce qu'il y a pas mal d'étages. Avant de monter, juste je vais aller check. Pas un item. Je vais aller check à gauche là. Est-ce que j'ai pop ici? Il y a un petit chemin là. C'est un trap? Ah, ça qui ouvre la bibliothèque que j'avais vu qui bougeait. Où j'avais vu derrière. Ok, ouais, là il y a le passage au-dessus. Ça va réduire les dégâts de foot, je crois, et c'est tout. On va s'amuser à monter là-haut. Ok, nice. On va pouvoir grind en haut sans problème. Qui a raté le serpent, c'est fin de run. 5 messages qui en parlent, ils trouvent pas le serpent. Ouais, j'ai pas trouvé le serpent, les gars. Enfin, si, j'ai trouvé le serpent, mais. Enfin, j'ai trouvé. J'ai capté le serpent, je crois, mais. J'ai pas capté ce qu'on devait faire avec. Trop de mobs de merde. En plus, on voit rien dans cette zone. J'ai allumé ma torche ou pas? Ce sera mieux comme ça. Oh! Stuck!
C'était que dans un coin en fait. Littéralement un coin. Chier. Je voulais voir comment ça fonctionnait ces boules de feu en fait, justement, si je pouvais les outrun ou pas. Bah, je peux pas les outrun, je vais être obligé de les roll. T'es pas, j'ai un sens d'orientation parfait, je vais retrouver exactement l'endroit où j'étais. Sur les mobs en fait, sinon ils se retrouvent à m'envoyer un milliard de trucs de feu, ça pète les couilles. Ils sont tous one shot en plus, donc c'est des mobs de merde globalement, mais. Ok. Ouais, ça va être dur, hein. Enfin, ça va être dur. Je dis, les mobs comme ça, c'est un peu. En fait, le truc, c'est que dans le lore, il parlait en mode mesmer, le feu, mesmer, le feu et tout. Donc, je me dis, il y a moyen que ce soit des mobs un peu dans le même. Enfin, que ce soit des mobs, genre dans le style du boss. Et s'il a un peu le même genre de pattern, ça va être un peu complexe. Parce qu'il envoie ses boules de feu, puis après, il me DPS. Du coup, tu peux pas trop tout gérer en même temps. C'est comme. Comme Relana là, elle te met ses épées de merde et après elle te tape la gueule. Faut pas tout roll. Oh, y'a un PNJ. Salut mon frère. On se continue de me hanter, mais voilà incapable de tourner la page. Après Lord Moke slain, at his date appears, his body has been absconded with and taken straight to Kind Mikola. Okay. Oui, bien sûr, je sais même pas qui t'es, je vais pas te mentir. J'aurais fait n'importe quoi pour me racheter de quelque manière que ce soit. Combat, quelle surprise. Y'a pas de combat là, c'est mon pote. Il est mort lui, il est mort comment? Voilà. On peut grind ici. On peut pas. Ok. Je sais pas du tout qui c'était lui. Oh. Tue-le ou no boss? Non, j'arrête de tuer les PNJ. Faut savoir, je tue les PNJ, vous êtes pas content. Je tue pas les PNJ, vous êtes pas content. Ok, attends juste que je me perde pas. Ça on met nous ça. C'est quoi? C'est qui? C'est toi. J'ai fait ça ou pas? Ouais, j'ai fait. Ça va être compliqué de pas se perdre, hein. Tout se ressemble. Ah, c'est, je me suis perdu déjà. Vas-y, on va monter. On va pas tout grind d'abord. Il y a beaucoup d'émeux comme ça pète les couilles. Il vient de battre, il reste dans le coin, il fait que m'envoyer du feu.
putain de magicien de merde. Descendre. Hop, mort. Mort aussi. Bon, fais ça, mais. Vas-y, on va graine. Ah, attends, il loot un item. Pierre de forge. Ouvrir cette porte. Encore un mob ici. J'ai pris des damage, c'est quoi, il a pas d'envoi de dégâts. Il a tapé avec quoi? Avec quoi je me suis fait hit? Vas-y, on va explo par là. Rien. Rien de nice. Rock joue mage dans 89% des jeux, elle se voit que c'est un magicien de merde vient de te battre. Bien sûr, Osanda, c'est pareil avec les ADC. Hein. Et là, ça veut pas se battre comme des hommes. Hein. Oh, c'est quoi la petite escouade là qui me chase? On est d'accord que je viens d'ici, je comprends pas l'approche, j'avais un loot, je sais pas, whatever. Je crois que c'est par là, faut que je monte sur le cul de la statue. Je pense que c'est le plan. Je suis allé regarder ça ici d'abord. Il y a un item et un mob là-bas. Il reste plus beaucoup de heal. Il y a trop de mobs à la con et que je suis obligé de clear, sinon je me retrouve submergé par tous les trucs de feu là. J'arrive mon frérot. Pas de feu. Bon, j'ai plus de heal par contre. Seul truc un peu chiant. Tu veux quelque chose ou pas? Ouais. Pierre de forge 7. Ok, donc on va falloir monter sur le cul de la statue. Ça part, j'ai littéralement 0 heal. Il me reste quand même ma potion. Je peux tanker une auto. Grâce, hein, une grâce, nice. Mais ça, je la croix de l'entrepôt. Je renonce à mon quoi? À mon bras? À mon bras dextre. Je renonce à rien du tout, moi. C'est quoi le message? Le message, c'est par Sir Hansback, adressé comme lui celui qui marche dans les pas de Michaela. Il semblerait que s'occupant du château ait inondé le quartier sacré qui conduit à l'arbre occulte, intéressant tout passage. Cependant, il n'y a pas de chemin qui y mène depuis cet entrepôt. Peut-être est-il un autre moyen d'atteindre le quartier sacré quelque part dans le château. Ah, ça m'aide. Ça m'aide, ça, dis-moi. Voilà, le vite fait, on prend un peu d'HP. On va voir un boss, non? Peut-être qu'il n'y aura pas de boss. Bravo, un nécessaire, droite devant. J'aime trop être des messages pour troller. Oh!
Ok. Alors mon but ça va être de te faire tomber, déjà mon but ça va être de ne pas mourir. Je pense pas pour le forfait. Nice. Oh, puis pour les loot. Ah si, je crois qu'il me donne les loot quand même si jamais il tombe trop loin. Ok, mission accomplie. Ça, quel plaisir. Bon là on a l'air de bien se diriger vers le chemin du boss. Ok, il y a un petit chemin qui descend, je vais aller check en speed. A l'air quand même grand, donc j'ai dit à 5 ans j'étais en mode bon c'est fine, mais je dois avouer que ça a l'air d'être tout sauf fine. Et un item ici. Ah voilà, je me fais parchemin de rite secret. Il décrit le rite secret du portail divin qui se trouverait dans la tour nimbée d'ombre, un seigneur provoquerait le retour d'un dieu et l'âme du seigneur nécessiterait un réceptacle. À quoi ça sert, mais ça servait à quelque chose. On vient noter le cadavre. Putain, je l'ai pas vu. Il y en a deux en plus. Reste de Mesmer. À 100% ça va être un mec qui fait un milliard de feu le boss là. Il y a un coffre? Non, j'ai cru. Ok, bon l'exploration est bien pour l'instant. On clear tous les ZAD. Chiant parce que je peux pas trop esquiver les mobs. C'est quoi ça qui... Ah putain. Ah je peux pas trop dodge les mobs et en même temps... J'ai le KM au cas où. C'est pas non plus des combats très intéressants. Après, vaut mieux ça que je me fasse tuer en boucle. Hein. Je suis obligé de les. En fait, c'est plus je suis obligé de les tuer, sinon après ils me pètent les couilles. Ok, il faut pas que je la tue. Ah si. Pourquoi elle parlait? Oula. Tant pis, mais non. C'est pas elle qui parlait du coup. C'est qui? Ça, j'ai robé droit devant. Je mens. Qui parle? Qu'il y a rien ici, c'est peut-être à l'étage, je sais pas, c'est bizarre, elle parle plus la meuf. Échelle, essayez saut. Ah oui, je peux sauter effectivement en dessous là.
Après, où est-ce que ça m'emmène? Ça, c'est le mec que j'ai monté tout à l'heure. J'ai monté tout à l'heure. En bas, j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant de descendre, en toute honnêteté. Hein. Je suis parti, elle me reparle. Passe droit devant. C'est bon que je tue des mobs comme ça à la con. Ok, ici. J'étais là, j'ai jump ici, donc je peux aussi accéder par là. Rien d'abord, s'il y a une grâce dans le coin, j'aimerais bien la prendre. Il y a aussi un étage que j'ai pas fait. Ah! Quoi ça? Ah, ça lève le tout. Théoriquement, on devrait donner accès à d'autres trucs. Je peux plus l'activer là? Ok, donc c'est pas une histoire de. Il faut réfléchir, tester les trucs et tout. C'est j'ai activé, c'est bien. Du coup, je peux passer là, monter ici, jump là. J'étais en face ici de base. On va aller voir vite fait s'il y a un truc. Pas tomber. Hein. Par là. Je... Il y a beaucoup de choses dans ce château. J'ai pas fait l'étage aussi juste avant. Oh, stylé. Ok, un mec qui hold. On va check par là. Que bordel donc. Y'a rien ici? Je suis arrivé là, j'ai l'impression que je peux monter un peu ici, mais ça va être un peu scuff. Je parle, quoi. Attention qu'il n'y a rien. Ils sont quand même un peu bizarres. Bon, ça sent l'endroit du boss. Ah oui, d'accord. Faut rigoler lui, pas bloqué. Je vais bloquer, je vais reprendre un coup. J'avais plus assez de stab. Stylé. Stylé le coup en double décalé. Oh, j'ai vu son nom. D'ailleurs, les compétences des chevaliers de feu. Grâce droit devant, ennemi fort, pourquoi vous avoir bien joué? Par ailleurs, grâce droit devant. Wow. Je pense pas qu'il y ait une grâce. Hein. Enfin, je pense qu'il y a potentiellement une grâce, mais en fait, vu que j'ai une effigie, je pense que ça c'était un boss. Peut-être pas. Ok, je pense peut-être mal. Ok, grâce droit devant. Bon là c'est le boss du coup, c'est ça le plan. Les gars, si c'est un boss majeur, j'aurais peut-être pas le temps de le terminer, hein, je vous le dis.
dépend à quel point il va être compliqué, mais vu les boss qu'on a fait, pour l'instant c'était à peu près un peu chaud. Il est un peu tard déjà. Oui, c'est un boss. 100%. Alors, qui est le boss de ce château? Tout nu, ouais, je vais me mettre tout nu, mais... Mongrel intruder. Bâtard! Comme toi, frère! Comment il me parle? Oh! Ah, c'est lui le serpent! J'ai trouvé le serpent, les gars! Un serpent dragon? What's thou truly lordship sanction in one so bereft of life? Ah. Yet my purpose standeth unchanged. Okay. Those stripped of the grace of gold. Oh, il a du flow. Shall all meet death. Je me souviens de Kyo. Je crois qu'il avait 6 doigts au début. Ah, je me doutais. Il ressemble bien au mob que j'ai tué. Après, il a pas la même capuche. Ça explose, ouais. Ok. Attends, une deuxième explosion. Oh, j'ai un HP. Je relis. Oh non, il va faire comme ses potes là. Ok, je trouvais beaucoup d'ouverture. Beaucoup de vie. Ah, ça c'est l'explosion, ça c'est un peu comme Malenia. Ah, je vais la prendre celui-là, je pense. Par contre, hein. La paix a pas l'air très compliquée. J'ai 150 000 runes. La paix a pas l'air très compliquée, mais. On va voir. Le grab. Ah, ça va me péter les couilles en fait. Si je meurs plein de fois contre lui, ça va me péter les couilles parce que j'ai 150 000 runes.
J'ai eu le temps de les prendre. Attends, je crois que j'ai même réussi un exploit, c'est les prendre après être mort. Et du coup, ah non, je les ai reperdus après. Dommage, putain, j'y ai cru. Et ouais, c'est chiant en fait. Bon, tant pis, je vais les laisser tomber. Tu sais comment ça se passe, à chaque fois que j'ai plein de runes, je veux les prendre et je prends plein de dégâts free. Ok. Je suis perfect, trop fort d'affilée là. Perdre tes runes, au moins ce sera fait. Ouais, je pense que je vais pas. Je le tuerai pas ce soir, la team. Je pense que je vais faire quelques poules et après je vais stop. Vas-y, on abandonne les runes, ça m'a pété les couilles. Je vois si j'avais le temps d'auto-attaque into. Into roll. Ça a trop de flow par contre. Ça me met les dégâts que je prends aussi sans armure. Oh, la différence entre avec de l'armure et sans armure. Allez, focus. On s'en bat les couilles des runes. J'ai pas encore le timing pour ça. Je pense que je l'ai maintenant. Ok, je les roll in, mais j'ai l'impression qu'ils gardent le. L'invue non longtemps, genre. Enfin, l'invue, pas l'invue, mais le buffer de son attaque. Presque. Of gold shall all be dead in the embrace of Mesmer's flame. Oh, les morts, elles s'enchaînent de vitesse. Les morts, elles s'enchaînent à une vitesse, mon salaud. J'ai même pas besoin de roll au début là. Ah si. Ah, je suis en train de boire. Bon, on fait les morts les morts sans armure fast, hein. Sac de cul. Tu es de mieux en mieux ces patterns, tu vas le tomber vite, Imo. Allez, c'est bon, je me concentre un peu. Je pensais l'avoir roll là. Ok, pas mal. C'est pas mal. Ça.
fait mal en tout cas. Hein. Je suis mort, hein. Il est en train de flex derrière. Hein. C'est stylé. C'est stylé, vu de loin l'attaque quand il tape au sol et il fait spawn plein de trucs de feu là. Le boss fait no hit sur no hit, il est gifted. C'est le quota. Putain, ça me suit d'aussi loin. Oh, c'était un peu grillé cette potion en mêlée. J'étais déjà le temps. De range avec son attaque. Plus il a forcément une P2 parce qu'il a un serpent sur le bras, donc forcément un truc qui va se passer avec le père serpent là. Stud. Bonne nouvelle. D'avoir un stun, c'est à dire qu'on apprend les patterns. Et là normalement on meurt. Voilà. J'étais stuck contre la porte là. J'ai bien analysé, je pense qu'il va se couper la tête du serpent, si il l'a fait sur le bras, il va cracher du feu avec. Pas du tout inspiré d'un autre boss. Ils aiment bien faire ça en général, en mode le mec il sacrifie son serpent et il se le... Enfin son serpent, son animal ou je sais pas quoi là. Il y a des patterns... Des baits. Pas mal ça. Le match-up a l'air dur de fou. Ah, le problème c'est que lance ça counter lance-feu, ça counter marteau, marteau nu en fait, c'est ça le problème. Il va pas réussir à prendre 0 dégâts sur l'open hein. Je reline surtout. Ah, ça il me tue. Ça dure vraiment longtemps. Il me one tap en plus. Je sais pas si je le tank avec l'arbre. Ça, je peux pas trop le reline. En fait, il fait le feu, il avance sur moi et après il lève. Si je reline quand on s'approche, en fait, il lève pas le bras instant. Oh, pourquoi il peut te cramer que t'as des brûlures dans l'eau sur le dos? Bah, ouais, théoriquement, je suis. Immune au feu. C'est stylé, hein. Oui, c'est ça bien. À 30, je cut le live donc.
Au moins un pool descend d'ici là. Je saute là, je le... Putain, on t'a plus maintenant. Dans ma tête, je le stun. Décile aurait pas la range pour m'avoir. Ouais. Hein. Change de rythme, Berma. Je suis bien, je l'ai mis low, il me reste pas mal de potions. Putain, fais chier, c'était notre try là. Les boss a trop de flow, par contre, c'est une folie, ils se sont trop donnés. Ouais, les boss sont vraiment stylés. Et là, ça, y'a pas trop de problème de caméra, c'est cool. Le problème c'est que je me retrouve trop souvent stuck contre cette putain de porte au début là. Donc j'avance un peu plus pour avoir plus d'espace. Putain, les morts elles montent vite hein. Vas-y, je fais un dernier pool. Petit dernier pool. Entrepôt à semences. J'ai vu le nom de l'endroit. Oh merde, j'ai raté le... Les auto-free. Vas-y, j'en fais un lassant. Il me casse le cul, hein. Après, je me fais tout... En fait, ce qui est chiant, c'est que je me fais tout shot, là. Je prends forcément plein de hits. C'est celle-ci. Vas-y, une petite glace, comme ça on est à 160. Et après, on est bon. Dernière. Une petite DR.
m'a tué. Vas-y, on s'arrête. En fait, ce qui est chiant, c'est que je prends un coup. Et en fait, pour rigoler le coup que je prends, je vais genre me heal, il me tape pendant que je me heal, puis je me heal, il me tape pendant que je me heal, puis je me heal, il me tape pendant que je me heal, et j'ai ça en boucle. Vas-y, la team, on s'arrête là. On reprendra demain, je pense. Est-ce que demain on fait du Elden Ring? On verra. On reprendra demain, on essaiera de passer de chat aussi, parce qu'on est pas très loin au final. On a perdu ma dernière game? Ah oui, merde, j'ai lose. Et quoi, 774 LP? Oh, ils ont 70 LP, en vrai, ça peut aller fast, hein. 4 wins. Nous manque 4 wins pour HL. J'ai pas compté la dernière d'ailleurs, 160 elle est pas, elle s'est pas comptée celle-ci je crois. Vas-y je vous laisse, en tout cas passez une bonne soirée, je sais pas trop chez qui je vais vous...